Sacre! Sacre! Sacrenate, sebulate, sebulate. Oh merveille, je reconnais cette corbeille. À qui? À qui? À qui cette corbeille? Cette corbeille. À qui? À qui? Oui, 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 à qui? C'est la corbeille de Fleurette. De Fleurette. De Fleurette. La fleuriste qui loge là. Qui loge là? Qui loge là? C'est la corbeille. C'est Fleurette. C'est Fleurette. La fleuriste. Cela suffit. Éloignez-vous. Laissez-moi tous. Oui, tous, 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 tous. Éloignez-vous. Éloignez-vous. Tous, 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 tous. Éloignez-vous. Oui, tous. Éloignez-vous, oui, tous, 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 tous. Étrange, étrange. Ils ont dit Fleurette. Le comte Oscar va frapper à la porte de Fleurette qui sort de sa cabane. Deux mots, la belle enfant. Vous êtes la fille... Du bon Lysiscas, un digne vieillard. N'avez-vous jamais entendu dire que ce digne vieillard n'était pas votre père? Si fait, quelquefois. Et ça ne vous a pas fait venir des doutes? Je n'ai vu là-dedans qu'une de ces plaisanteries qu'affectionnent les gens qui aiment à rire. Vous auriez dû y voir autre chose. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Que voulez-vous dire? Vous me troublez? Remontez par la pensée jusqu'aux premières années de votre enfant. Un palais, un grand palais, des gardes avec de l'or sur leurs cuirasses, des femmes aux parures étincelantes, de jeunes seigneurs, et au milieu, avec une couronne sur la tête, un mari qui se dispute avec sa femme. Luxe et splendeur, misère et vanité, une cour enfin. Souvenez-vous, souvenez-vous. Oui, oui, je me souviens. Et plus tard, sans transition aucune, une grande sensation de fraîcheur. De l'eau partout, le fleuve tout autour. À droite et à gauche, les rives du fleuve. Au-dessus du fleuve, le ciel. Au-dessous du ciel, sur le fleuve, une corbeille qui va, qui vient, qui flotte. Dans cette corbeille, une enfant. Souvenez-vous, souvenez-vous. Oui, oui, je me souviens. Pas un mot de plus, vous êtes la princesse Hermia, vous êtes la fille du roi, mon maître. La fille? Du roi Bobèche. La fille du roi Bobèche. Mais si peu que je me sois occupée de politique, je sais qu'il a un fils, le roi Bobèche. Le jeune prince, votre frère. Moins âgé que moi. Moins âgé que votre Altesse. Alors, c'est mon Altesse qui doit hériter. Comme vous dites. Et vous allez me conduire ? À la cour de monsieur votre père. Quand partons-nous ? Tout de suite. Je n'ai qu'à appeler mes hommes. Ils sont à 20 pas d'ici avec un palanquin. Mais, en partant, ne désirez-vous rien emporter avec vous ? Si fait. Vous faites bien de m'y faire penser. Je vais emporter quelque chose avec moi. Sa fille ! Venez, sa fille ! Ne craignez rien ! C'est moi qui vous appelle ! Me voici, chère Fleurette ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ? Mais c'est ce que je veux emporter. Un berger? Un berger? Y songez-vous, princesse? Princesse? Oui, princesse! Tout à l'heure, j'étais bergère. Maintenant, je suis la fille du roi Bobèche. Bobèche? N'aie pas peur. Je t'emmène avec moi à la cour. Par exemple? Je l'emmène. Appelez vos hommes et partons. Princesse?
Quatre serviteurs apportent un palanquin destiné à Fleurette, ou plutôt à la princesse Hermia.